Man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. Been calculated, a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. Rather than trying to recover our good environment, our clean air and clean water and so on, we may begin to say, well, let's adapt man to the noxious gases in the air and the dirty water. Nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle. Nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la Terre, vers le milieu du siècle prochain. Il est probable que la mise en valeur des terres incultes, le défrichement, l'urbanisation ont aussi une incidence sur le climat, ne serait-ce que parce qu'ils modifient le pouvoir réfléchissant de grandes étendues de terrain. Il est donc possible qu'une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère soit à craindre. Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas ? Et montée des eaux, et donc noyade de toutes les... de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre, et Marseille et Nice et Londres. Vous êtes en train de paniquer les populations, là. There is some tentative evidence that the poles have begun to warm. Nous sommes ici pour passer le témoin des mains des scientifiques qui savent ce qui se prépare, à celle du public, de nous tous qui devons faire quelque chose. Parce que nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement se décide, ni le Congrès, ni les responsables politiques. Nous devons passer à l'action. C'est aux gens eux-mêmes à trouver des solutions. Je pense que pour la première fois dans l'histoire de la planète, nous traitons d'un problème qui est d'une importance cruciale pour le futur de l'espèce humaine. Il fait chaud ou il refera chaud. Et le réchauffement de la Terre, même si certains n'osent pas s'en plaindre, risque d'avoir des conséquences dramatiques d'ici la fin du siècle. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. En France, comme dans le reste du monde, les températures moyennes n'ont cessé de monter depuis au moins 30 ans. Pour la plupart des scientifiques, le responsable, c'est le gaz à effet de serre, produit par la combustion des énergies fossiles. Le gaz, le pétrole, le charbon. Si rien ne change, nous allons gagner de 2 à 4 degrés d'ici la fin de ce siècle. Nous avons à faire face à une augmentation des émissions de carbone. Les efforts qui seront engagés le plus tôt seront les moins douloureux pour nos portefeuilles et les plus efficaces pour empêcher le changement climatique. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. Et je vous l'affirme tout net, si ce n'est pas à Paris, ce ne sera pas tard, ce sera trop tard pour le monde. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!